Pendant la construction du temple, bon, je suis arrivé dans un contexte conflictuel. La paroisse Adna, avec le consistoire Yaoundé, ça n'allait pas. Et la paroisse Adna figurait sur la liste des paroisses du consistoire Yaoundé de nom, parce qu'elle ne participait à rien. Bon, la première chose était de fidéliser la paroisse au consistoire Yaoundé. Et la deuxième chose, bon, Adna avait déjà 5 ans, mais aucun projet n'avait pu démarrer. Et justement parce que le problème d'identité était encore posé. Tant que Adna ne savait pas exactement qui elle était, de qui elle dépendait, elle ne pouvait pas commencer sa marche effectivement. Donc, il n'y avait ni temple, ni presbytère, ni terrain. J'ai réuni la paroisse dans la réunion que nous appelons dans notre jargon le congregational meeting, donc l'assemblée générale de la paroisse. Et après leur avoir présenté mon projet de société, on a débattu et on s'est accordé. La réunion de l'Assemblée générale a décidé de l'appartenance de la paroisse Adna, une paroisse du consistoire Yaoundé, dans le synode centre. Et nous nous sommes fixés comme objectif de bâtir le temple. Un temple à la gloire de Dieu, bon, quelque chose de bien, de bien fait, de coûteux. Bon, malgré le fait qu'on ne disposait pas de moyens. Bon, et c'est ainsi que, par le truchement du secteur général de l'EPC, le révérend docteur Amadia Domaine Grégoire, nous avons saisi le conseil d'administration de l'EPC pour leur demander de nous attribuer un terrain à proximité du centre polyvalent de la FEMET, qui était notre lieu de culte, parce qu'il faut souligner que on a installé la paroisse Adna sur la colline de Djungolo, dans la cour. La première grâce que Dieu a accordée à cette communauté, c'est de leur permettre d'avoir ce cadre. La salle polyvalente de la FEMET était en chantier et les responsables de la FEMET, et grâce au docteur Aaron Tollet, le secrétaire exécutif du département de développement de la FEMET, qui d'ailleurs a bâti ce centre. Bon, on nous a permis d'y tenir nos activités. Et nous avons, après la décision du congregational meeting, nous avons institué des comités d'action, parmi lesquels le comité de construction. Et on s'est mis au travail. On a d'abord l'ingénieur, l'architecte Jean-Victor Sindet a fait l'esquisse du plan du temple, et nous avons donné cette esquisse au bureau d'études chinois CSC, la compagnie sino-camerounaise, et ils ont fait les plans d'architecture et d'ingénierie.